Face à une crise sanitaire inédite d'une ampleur exceptionnelle, ce sont, comme toujours, les plus vulnérables et les plus menacés. Parmi eux, je pense à toutes ces personnes âgées, isolées, qui ne sont plus visitées par leurs proches et pour lesquelles les services d'aide à domicile, pourtant tellement dévoués, ont de plus en plus de difficultés à intervenir. En conséquence, je lance un appel aux habitants du 15e à se mobiliser dans leur quartier, dans leur immeuble, sur leur palier, pour les accompagner par des gestes simples dans la satisfaction de leurs besoins les plus essentiels, comme faire leurs courses, prendre de leurs nouvelles, aller acheter un médicament à la pharmacie. En liaison avec le ministère de la Cohésion des territoires, les associations, la régie de quartier, les étudiants que nous mobilisons dans leurs universités, la mairie du 15e participe au dispositif Voisins solidaires, afin de faire de la solidarité et de proximité entre générations une priorité. Cette crise se résoudra par le collectif, l'entraide, la confiance en l'autre. Maintenant, je voudrais passer la parole à Athanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins, créateur de Voisins solidaires, qui va vous présenter en détail le dispositif mis en place. Merci Monsieur le Maire pour cet appel à la mobilisation générale. Vous avez été à l'origine de Voisins solidaires il y a quelques années et je suis content qu'on poursuive ce combat. Le kit est très simple, celui que vous proposez aux habitants du 15e, ils peuvent télécharger une affiche sur laquelle on voit coronavirus et si on s'organise entre voisins avec des gestes simples que vous avez évoqués tout à l'heure. Constitue aussi un panneau des voisins important. Sur la première ligne, nous indiquons quels sont nos besoins? Aller faire des courses, aller chercher des médicaments. De l'autre côté, on indique, j'ai envie de vous aider. C'est important, ça met les gens en contact. Enfin, nous avons deux autres objectifs très simples. Un petit tract qu'on met dans la boîte aux lettres de tous les voisins lorsqu'on est motivé, qu'on est un voisin solidaire du 15e arrondissement, qui permet en fait de donner son numéro de téléphone et de centraliser les demandes. Enfin, un annuaire du en sécurité sanitaire et de garder tous ces gestes barrières. Il est essentiel de les respecter. Cela veut dire tout simplement que la solidarité peut se faire dans l'immeuble sans mettre en péril la santé des habitants et de ses voisins. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir été le premier à lancer cet appel à la mobilisation solidaire. Je sais que les habitants du 15e sont des gens extrêmement généreux. Dernier mot, cette guerre contre le coronavirus, avec vous, Monsieur le maire, et tous ensemble, merci. Merci. Et nos aînés savent pouvoir compter sur l'esprit de solidarité, de fraternité des habitants du 15e, j'en suis convaincu. Merci, Athanase.